l'actualité en langue locale. C'est l'émission Causerie sous l'arbre à palabres. Vestibule, la tribune des meilleurs chroniqueurs. FM. Panora Culture. Tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panora Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes. Bonsoir, heureux de vous retrouver à nouveau dans cette émission ou cette capsule qui vous parvient tous les jours du lundi au jeudi entre 16h et 16h30. Toute l'actualité culturelle, c'est maintenant sur Film FM. Film FM, Panora Culture, le pot culturel. Avec ma chère épouse. Comment tu vas, Queen Maïti? C'est aujourd'hui qui est doux. Ça va? Ça va? Ça se passe? Et puis à ma gauche, il y a Binta. Comment tu vas? Ça va, oui. Ça se passe? Ouais, tranquille. Et toi? Ok. Je pense que là, le micro est bon. Ça va? Ça se passe? Oui, ça va, ça va. Bien, alors, des infos à donner rapidement. Goulam arrive à Conakry. Oui, Ouri Abdoulaye, si pour certains la venue de Goulam dans la capitale guinéenne est un leurre, le chanteur lui-même l'a annoncé lundi soir sur son compte Facebook. Oh maman, on dit à maman, mais guinéen, votre soignant, dès qu'arrive chez vous, rendez-vous les 7 et 8 janvier 2022 pour deux shows exceptionnels, a-t-il posté ce double concert de Goulam à Conakry, sonne comme une réviviscente avec le nouvel an 2022, ce sera la première fois qu'il foule le sol guinéen, mais avant, Goulam sera à Tahiti et dans d'autres pays, des voyages qui s'inscrivent dans le cadre de sa tournée en Afrique, mais aussi dans d'autres pays européens. Ces deux dates à Conakry se préparent minutieusement, disent des organisateurs B-Events et Tunkan n'espère pas lésiner sur les moyens pour réussir ce projet. Vivement le mois de janvier. Alors sinon, il y a Saïfon Baldé qui réalise un nouvel exploit avec son clip Sabuno Willy. Rien ne semble arrêter Saïfon Baldé, le chanteur guinéen qui séduit les mélomanes à chacune de ses sorties musicales, vient de réaliser un très beau record sur la plateforme de vidéo YouTube. 2 807 038 vues
13 exactement. C'est le nombre de visionnages enregistrés par le clip Sabono Willy de Saifan Baldé, sorti le 22 mai dernier. Un nouveau record pour le concepteur de Nyaridjina. C'est empressé de partager sur sa page. Ça finit plus et ça va continuer encore plus. Vous êtes là pour moi, celui-là aussi pour vous. Le clip Sabono Willy vient d'atteindre 2 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous pour l'amour que vous me donnez. Et puis, la dernière information à donner dans Noir et Blanche, Damien Glaise esquisse des femmes hautes en couleur. Dans ce nouveau recueil de poèmes et de dessins, l'auteur brosse avec tendresse et tout en contradiction une galerie de 32 portraits de femmes. Alors de Damien Glaise, vous connaissez le trait aiguisé et la plume acérée, ce que vous avez pu remarquer aussi si vous êtes attentif à ces dessins de presse, notamment dans Jeune Afrique. C'est la tendresse contenue de ses caricatures, cette tendresse du regard. C'est ce qui ressort de son recueil de dessins et de poèmes noirs et blanches qui viennent de paraître aux éditions La Trace, livre inclassable. Il rassemble une trentaine de portraits de femmes accompagnés d'autant de textes. Et voilà, et les dessins sont bel et bien en noir et blanc, l'ensemble est tout en contraste. Le temps d'une galerie de portraits, 32 femmes deviennent sœurs de traits, écrit l'artiste dans son avant-propos. Dames de fer ou muses d'argile, proches de leur connaissance ou au crépuscule de leur parcours, originaire d'un sud épuisé, d'un nord désabusé, d'un orient énigmatique ou d'un occident en trompe-l'œil, elles autorisent le clair-obscur à découper leurs silhouettes et à sculpter leurs histoires. Vous êtes dans Panorama Culture, nous recevons aujourd'hui la percussion Gelly Denis Balafola, créée en 2017, et puis il y a le manager en studio et puis toute la troupe. Moussa Souma est notre invité ce soir. FIM FM, Panorama Culture, la culture en débat. Bonsoir Moussa Souma, bienvenue. Ça va, ça se passe? Oui, je vais bien, ça se passe très bien. D'accord, vous êtes venu avec toute la clique. J'imagine qu'on aura quelques prestations ce soir. Depuis quand travaillez-vous avec le groupe Gelly Denis Balafola? J'ai commencé à travailler avec Gelly Denis Balafola depuis l'année passée, en février 2020. Mais le groupe a été créé en 2017. D'accord. Le 9 février 2017. Ok. Pourquoi vous vous êtes engagé avec le groupe? Je me suis engagé avec le groupe parce que non seulement j'ai fait mes études à l'Institut supérieur des arts de Guinée, je me suis spécialisé en ingénierie du son, mais bien avant ça, j'ai pratiqué l'art. J'ai pratiqué l'art et la plupart des artistes parmi Gelly Denis Balafola sont mes coéquipiers. On a grandi ensemble. Et après mes études, je me suis retourné maintenant. J'ai posté dans une ONG nationale pour être responsable des arts et de la culture. D'accord. Dont le nom de l'ONG est Régimajec, le réseau guinéen des maisons et foyers des jeunes et de la culture. D'accord. Et donc moi je me suis basé spécialement pour la promotion des artistes, les spectacles, les documentaires, les courts-métrages et les longs métrages. Bien. Alors depuis la création de cette troupe, est-ce que vous avez eu à faire des tournées ou est-ce que la troupe a joué sur d'autres scènes en Guinée ou comme ailleurs? Voilà. Depuis la création de ce groupe, la groupe a fait plusieurs spectacles, mais on n'a pas eu la chance d'aller faire quelques tournées à l'intérieur du pays même. Sauf juste, on s'est limité à Koya. Parce que le groupe a été, vous savez toutes choses, le débit, il faut mettre des choses. Et des points sur des i et connaître d'abord le début de toutes choses est difficile. Bien avant mon arrivée, le troupe a participé à plusieurs festivals et ils ont fait d'abord quelques spectacles dans les lieux culturels et artistiques. Ici à Conakry? Oui, ici à Conakry, comme Fougou, le CCFG. D'accord. Parce qu'on est en partenariat aussi avec le PNUD, PVN, Programme du Volontariat des Nations Unies. Donc depuis que le groupe s'est confié à moi, à chaque année, lors de la célébration de la Journée internationale des volontaires, je les envoie là-bas. Et parce que, comme je viens de le dire,
J'ai été choisi comme leur manager en février 2020 et ça trouvait qu'il y avait l'affaire de Covid en Guinée. Donc les lieux de culture étaient fermés, les spectacles on ne le faisait pas. Mais cela ne m'a pas empêché de mettre, de monter des petits projets pour que après la Covid-19, pour cheminer directement avec le groupe. D'accord. Dites-nous, M. Souma, pourquoi avez-vous décidé de mettre l'accent sur le balafon dans le nom de votre groupe? Une très belle question, madame, Agel, ou bien madame. Parce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, dans les studios, des home studios, les ingénieurs et les arrangeurs veulent piétiner le balafon. Ils veulent remplacer le rôle du balafon à travers des logiciels, c'est-à-dire des petits effets qui se trouvent dans les logiciels du son. Comme moi, je suis ingénieur du son. Dans l'ordinateur. Au lieu d'appeler un balafoniste, celui qui est ici ou bien celui qui a fait tout son temps, au lieu de l'appeler pour dire que nous voulons juste que tu nous fasses un petit pont d'ici, eux, ils s'efforcent À le faire eux-mêmes. Pourtant, eux, ils ne connaissent même pas le balafon a combien d'accords et quel est le rôle du balafon. Et la plupart des musiques actuellement, quand vous écoutez, les balafons sont remplacés par des claviers. Les balafons vous pensez que le métier est menacé? Oui, le métier est menacé. Je peux dire que le métier est menacé. Par exemple, même l'exemple que je vois dans le studio, je peux dire, et si vous prenez les caméras robots qui sont là, ça met en chômage d'autres cadreurs. Mais si ils continuent à faire ça, remplacer les balafons, même les djembés aussi, ils commencent à remplacer les djembés par des effets qui sont dedans. Pourtant, le balafon, c'est un instrument sacré. C'est un instrument sacré, c'est le seul instrument qui a 22 accords. Peut-être la cora peut l'accompagner. Et ce n'est pas n'importe qui peut jouer le balafon. Donc, quand ils ont créé le groupe a été créé à ma présence, mais moi je te parle, mais je les connaissais avant. Ils ont décidé de donner le nom Djelideni Balafola, c'est-à-dire les enfants du balafon. D'accord. Parce qu'ils sont tous des fils et des filles des griots que vous connaissez. Ok. Des petits-fils, des petites filles, ils sont tous. Donc, on a décidé de mettre maintenant pour ne pas que le nom du balafon. Disparaissent, on s'est dit maintenant, ok, on se nomme Djelideni Balafola. D'accord. C'est quoi les spécialités de ce groupe, vos domaines d'intervention? Nos domaines d'intervention, c'est des arts vivants. Ok. Mais on accompagne aussi des artistes dans les studios. Par exemple, vous, si vous êtes chanteur, et vous me contactez, ah, Souma, vraiment, j'ai besoin d'un balafoniste. Je réalise ou bien je suis en train de faire la proclamation d'une musique de tel artiste. J'appelle mon artiste, je lui dis, tu as le temps, est-ce que tu peux le faire? Ça, c'est home studio, mais nos interventions se basent le plus souvent au niveau des domaines des arts vivants, des spectacles. C'est quoi les arts vivants, pour ceux qui ne savent pas? Voilà, des arts vivants, par exemple, c'est des concerts live. Ce sont des concerts live. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une petite prestation? Oui, avec plaisir. Ah, parce que vous êtes ma au complet. Ma chanteuse est là, mon balafon est là. Et ce n'est pas seulement Djelideni. Vous pouvez nous présenter le groupe avant qu'il... Voilà, Djelideni, elle c'est Kadiatou Souma. Elle est la première chanteuse de Djelideni Balafola. D'accord. Et lui, il s'appelle Ismaïla. Damba, c'est lui qui est le directeur général. D'accord. Il est le directeur artistique de Moïse. Mais il joue le balafon en même temps. D'accord. Et lui, c'est Fasne Bangoura. Il est le secrétaire. D'accord. Alors. Et j'avoue encore que nous sommes au nombre de 15 personnes. D'accord. Mais comme c'est le studio, c'est une invitation. Donc, on a juste limité. On y va, c'est parti. Mouye gelilo kono
na jatibera soro legeli lo bolonyana munegeli lo bolonyana jatibera soro legeli lo bolonyana ale alamina o badiyati disia Fama alabo la tema sa koni makojuke J'avoue, rien ne peut remplacer l'original. Hein. C'est ouais. Magnifique. Merci. Vraiment, félicitations. Alors, est-ce que vous avez un centre de formation pour certaines artistes qui veulent apprendre? Pour le moment, on n'a pas construit d'abord un centre de formation. Mmh. Mais comme ce que je veux dire, quand le groupe a été créé, le groupe est à but non lucratif. Mmh. La percussion, elle est apolitique. D'accord. Même si vous êtes une personne vulnérable, mmh. vous pouvez rejoindre le groupe. Parce mmh. que quand vous prenez les troupes privées, mmh. nous n'avons pas de centre de formation. Mmh. On se dirige vers dans les MJC, les maisons des jeunes et de la culture. Mm-hmm. On prend un emploi là-bas pour nos répétitions. Donc, si, par exemple, parce que nous, on éduque ceux qui n'ont pas eu, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. D'accord. Ou bien les gens qui n'ont pas eu la chance d'aller vendre. Mais il y a aussi des commerçants parmi nous, après mm-hmm. la répétition, mm-hmm. ils partent là-bas pour chercher leurs besoins. Mm-hmm. Non seulement parce que quand je dis centre, mm-hmm. mais on forme aussi. Parce que on peut, si une personne veut adhérer, mm-hmm. il y a des modalités, mm-hmm. il y a des critères. Mm-hmm. Ah, c'est ça que vous allez fournir, ça. Et puis il y a l'engagement de tes parents qui sont là. Donc, par exemple, si quelqu'un veut adhérer à votre groupe en ce moment, c'est, oui. c'est possible. C'est possible. La ouais. porte est ouverte. D'accord. Et c'est gratuit. C'est gratuit, on ne paye rien. Alors, mais si quelqu'un veut vous déplacer, ça quand même c'est payant. Oui, si quelqu'un veut nous déplacer pour les spectacles, mm-hmm. comme le vendredi passé, nous étions à nos motels pour mm-hmm. la célébration de la JIV, Journée internationale des volontaires. Mm-hmm. Mais déjà, comme l'ONG que j'ai servi et jusqu'à présent, le Régi Magique, mm-hmm. donc le Régi Magique est en partenariat avec Kumba. Celle qui coordonne les volontaires des Nations Unies ici en Guinée. Donc, pour tout déplacement, il y a aussi les modalités nationales ou internationales. D'accord. J'aimerais savoir aussi, est-ce que vous avez eu à faire des compositions propres à vous? Oui. On a les morceaux propres à nous. Et ce morceau qui était entendu tout à l'heure, est-ce que c'est une composition exclusive de votre groupe? Oui, on a même enregistré 3 sons. D'accord. On pouvait faire appel aussi à des anciens morceaux pour rappeler que, ouais, jusqu'à présent, le rythme que nos ancêtres nous ont laissé, on continue toujours à les utiliser. D'accord. Comme Malissa Dior. Ok. Binta? Oui, quels sont les acquis à votre actif en tant que manager de ce groupe? Les acquis, je peux dire que moi, en un mot, je m'engage pour avancer le groupe. Rien que d'autre. Parce que d'ailleurs, j'étais un artiste et jusqu'à présent, je suis un artiste. Mm-hmm. Mais vu que j'ai avancé dans les études, mm-hmm. donc moi, je me suis spécialisé maintenant pour accompagner mes amis. Oui, justement, artistes. Depuis que vous avez pris le groupe, oui. vous l'avez certainement. Pris d'un point A. Est-ce que vous êtes arrivé au point B? Bon, on est entre d'un point A et un point B. D'accord. Parce mais que les, jusqu'à présent, nos objectifs... Les morceaux enregistrés font partie de point A ou entre point A et point B? Parce que les objectifs n'ont pas encore été. Mais déjà... Donc, quand je dis on est entre d'un point A et un point B, parce que moi, je ne vais jamais dire qu'on est sur le point B en tant
qu'on ne voit pas l'importance de Balafon dans le monde entier. D'ailleurs, justement, moi, je voulais savoir, est-ce que vous avez un public en Guinée? Parce que souvent, les percussions et autres, on a l'impression que ce sont les étrangers, les touristes qui s'y intéressent. Est-ce qu'il y a un public guinéen qui aime bien vous écouter? Voilà, le problème, c'est ça. Le problème, c'est ça. Il y a un problème en Guinée. On est en train de faire dos à nos cultures. D'accord. Et nous, notre combat, c'est ça. Et quand vous dites Matam, Matam c'est le cœur des événements artistiques. Le groupe est créé là-bas. Et le groupe fait leur répétition là-bas encore. Parce que le balafon est mieux connu par la nouvelle génération. Même quand quelqu'un voit avec un balafon en main, qui n'est pas dans sa housse, c'est-à-dire, il dit, ah, ça, c'est des anciennes personnes. Ça, c'est des anciens hommes, quoi. Oui, justement, vous savez, en fait, beaucoup ont commencé ce travail-là. Essayer de redonner une bonne image à la culture pour que les gens du bled s'intéressent à vos différentes activités. Pensez-vous pas que c'est une cause perdue d'avance? Parce qu'on a l'impression qu'on répète les mêmes sujets. Dire oui, on veut que ça revienne, on veut que ça revienne, alors que ça ne revient pas. J'avoue que même avant, la manière dont on confectionnait les balafons et aujourd'hui ne sont pas les mêmes choses. Et on ne va jamais se reculer. On a le public. Si vous prenez les autres héritiers aujourd'hui, comme Sekouba Kanja, comme les enfants de Koka Salé, vous voyez, non? Ils nous accompagnent, pas financièrement, mais moralement. D'accord. Les anciens griots nous accompagnent. Vous voyez, non? Et nous, on ne va jamais lâcher. Parce que chaque chose a son temps. Rien ne fera à l'absence de son jour. Djeli et Denis Balafola, créé en 2017 dans la commune de Matam, cette troupe vise à contribuer à la valorisation et à la promotion de la culture guinéenne. Elle se fixe pour objectif l'amélioration des conditions de travail et de vie des artistes à travers leur œuvre. Merci d'être passé. Merci. Et on se quitte avec des petites notes de 30 secondes. Panora Culture, savoir et comprendre FIM FM. Sur l'industrie. Panora Culture, tout savoir sur ce qui anime l'univers culturel en Guinée et dans le monde. Panora Culture, l'actualité culturelle disséquée par nos spécialistes.